Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage à la pleine lune en poisson du 10 septembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 5 septembre au dimanche 18 septembre pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. On va regarder d'abord un tirage qui va se baser en fait sur les enseignements de la maison 12. On va prendre l'oracle de la prêtresse de lumière pour prendre plusieurs messages. On va les regarder. Alors la maison 12, elle vous parle des enseignements, de la leçon à intégrer, leçon de vie une fois qu'on a fait le tour du zodiaque. Donc on va regarder ici ce que vous pouvez apprendre de votre passé. Ici, la sagesse que vous gagneriez à intégrer actuellement. Ici, on va vous parler de ce qu'il vous reste à apprendre. Et enfin, on ira prendre un message qui va nous parler des perspectives pour votre chemin de vie futur. Avec le tarot, je vais prendre trois arcanes majeures pour aller chercher un message, un conseil. Pour votre soleil, donc soleil en Sagittaire, ascendant en Sagittaire, lune en Sagittaire, on ira voir ce que le tarot veut vous dire. Dans la deuxième partie, je fais le tirage prédictif, ce sera juste après ce tirage-là. Alors on y va mes Sagittaires pour les interprétations. Donc, qu'est-ce que vous avez à apprendre de votre passé ? On vous dit de laisser filer, de suivre, go with the flow, c'est suivre le rythme en fait, vous laisser aller, il y a un lâcher prise en fait, un lâcher prise que peut-être vous avez du mal à opérer pour certains, ou que vous avez eu du mal à opérer. On vous confirme ici que par le lâcher prise, il y a du potentiel en fait pour accéder à son abondance. Donc relâcher, nettoyer et recevoir. Il y a aussi quand même recevoir, ça vous met dans des énergies, le relâchement vous met dans des énergies de réceptivité aussi de l'abondance. Quelle sagesse vous gagneriez à intégrer actuellement? Ah ben, la sagesse de la sagesse. Alors la sagesse, une sagesse, qui est liée à l'apprentissage, au plaisir d'apprendre, au plaisir lié à la créativité aussi. Voilà, vous prenez si ça résonne en vous. Là j'ai des gens qui sont invités en fait par l'oracle à se mettre en mode créatif, à lancer des projets peut-être qui leur tiennent à cœur, des projets que vous avez de longue date pour grandir en fait, pour évoluer sur votre chemin de vie tout simplement. Qu'est-ce qu'il vous reste à apprendre? Alors, j'ai des gens ici qui ont besoin encore d'avancer sur le donner et le recevoir, en particulier en termes de soins. J'ai des gens qui sont puissants ici, vous voyez, cette énergie de connexion à l'univers. Voilà, vous avez une capacité de guérison pour vous, pour les autres, et vous avez aussi à recevoir le don et le soin des autres. La terre, la guerre, c'est intéressant ce lapsus. La terre guérisseuse, j'ai des gens qui sont en combat avec eux-mêmes en fait, d'où la guerre. Des gens qui refusent en fait, qui sont figés dans certaines choses sur le plan mental, sur le plan habituel, hein, sur le plan de la routine. Vous avez besoin de vous connecter à une terre qui va vous guérir. Connectez-vous, ancrez-vous, c'est la sagesse qu'il vous reste à apprendre en fait. Quelque chose qui vous reste à apprendre par rapport à votre situation actuelle. Vous prenez encore une fois si ça résonne en vous, bien entendu, mes Sagittaires. On regarde les perspectives pour votre chemin de vie. C'est magnifique, l'abondance, fortune, richesse, plenty, donc l'abondance, hein, la totalité des choses. Et bien voilà, tout est dit. Donc c'est vraiment un chemin qui se dessine pour aller vers votre abondance. D'accord? Alors en plus, vous avez Jupiter qui est bien aspecté hein, par rapport à vous, là. Donc allez-y. Hein. Jupiter est en bélier. Alors bon,
Il y a un aspect qui est un peu difficile hein, vis-à-vis de Mercure, mais Mercure est bien aspecté chez vous, donc en fait, il peut en sortir quelque chose de bien. Il y a un sextile de votre signe à Mercure. Hein. Ça dépend de votre thème astral, mais il peut y avoir un sextile à Mercure avec votre Soleil, par exemple, ou votre Lune, hein, ou votre ascendant. Ça va dépendre de pourquoi vous venez voir cette vidéo-là en particulier, et un trigone à Jupiter, donc. Il y a des énergies favorables en plus actuellement pour aller faire quelque chose hein, sur le plan de l'abondance, de la chance, de l'expansion et de l'expression aussi de votre solarité de Sagittaire en fait. Hein. Voilà, même si vous êtes Lune en Sagittaire, vous venez chercher quelque chose qui est de la vérité du signe du Sagittaire. Donc voilà. Voilà ce que l'oracle avait à vous dire. On va regarder maintenant le message du tarot plus précisément. Donc pour les personnes qui ont le Soleil en Sagittaire, l'impératrice, voyez. L'abondance, elle est là, elle est vraiment pas loin. C'est Vénus, c'est le plaisir, c'est la réussite matérielle et immatérielle, la satisfaction sur tous les plans, hein, le spirituel, le physique. Allez vers ça, il y a cette promesse-là et vous devez y croire en fait. J'ai des gens qui pensent peut-être qu'ils ne méritent pas quelque chose ou que c'est surfait, c'est superficiel. Eh bien non, vous y avez droit et ça vient vers vous pour peu que vous fassiez les ajustements nécessaires. Ascendant en Sagittaire, il y a un renouveau ici hein, à aller chercher, un nouveau chemin qui se dessine devant vous. Est-ce que vous allez accepter d'emprunter ce chemin ou pas? La question reste ouverte, c'est un message du tarot, une invitation du tarot. En tout cas, il y a de nouvelles perspectives pour débloquer les choses, pour faire tourner la roue hein, pour aller vers. Alors ça veut pas dire ça veut pas dire une brillance complète, enfin de la réussite matérialisme. C'est pas ça. Hein. Ça va être plus une complétude, un accord avec soi-même, hein, sa vraie vibration ici avec Uranus. Donc sa vérité, son originalité, son individualité, c'est vraiment ça qui se dessine pour vous. L'ascendant va ici. En étant vrai avec vous-même, va vous permettre d'aller vers l'expression pleine et entière de votre signe solaire, pour le coup, que vous soyez natif du Sagittaire ou pas. Ok, et les personnes qui ont la Lune en Sagittaire, alors pour voir, bah on a des nouveaux départs là. Énergie mercurienne avec le magicien. Donc, on vous demande ici d'aller puiser dans des idées de création, des idées originales, des idées. C'est la connexion en fait à Mercure, hein, je vous l'ai dit, voilà. Mercure qui forme un très bel aspect avec Mars. Hein. Mars qui est trigone à Mercure, qui va apporter une énergie abondante en fait sur le plan mental pour avoir des idées, pour gérer les transformations qui sont appelées par la pleine lune. Donc voilà. Il y a quelque chose à aller chercher sur le plan mental. Connectez-vous à vos idées, à votre réflexion. Prudence quand même, hein, parce qu'on a, je le dis dans plusieurs vidéos, on a quand même un Mercure rétrograde et puis on a Mars qui est quand même dans le signe des Gémeaux, donc ça peut poser des soucis de communication. Mais bon, là, je sens que pour vous en particulier, on a quelque chose qui est très porteur. Et eh bien voilà, j'ai terminé cette première partie de la vidéo. Je vais maintenant passer à la guidance prédictive. Donc on y va. Je range tout ça. Deuxième partie de la vidéo. Donc on va regarder les 15 prochains jours, les 14 prochains jours exactement. Donc du 5 au 18 septembre. On va regarder tout ça avec l'oracle des miroirs d'abord. Je vais recouvrir avec un petit le normand. Alors, les jours, bon, sont dans l'ordre, hein, mais il peut y avoir des croisements, des inversions, hein, c'est pas strict. Après, si sur certains jours, il y a besoin de faire des précisions, d'apporter des précisions sur le plan astral, je le ferai. S'il y a besoin de mentionner des énergies astrales, vous aurez les informations nécessaires. Allez, le petit Lenormand, donc
J'essaie de, hop, de descendre tout ça. Ok. Et voilà. Alors, on y va pour les interprétations. Donc, pour le lundi 5 septembre, mais comme je l'ai dit, c'est pas obligatoirement strictement sur ce jour-là. Il y a du changement sur le plan du cœur. Alors, vous allez peut-être avoir un désir renouvelé, naissant, c'est possible. Un changement sur le plan du cœur, ça peut être, la roue elle peut tourner dans les deux sens, hein. Ça peut être une amélioration comme un changement dans l'autre sens. Pour moi c'est vous qui ressentez ces choses-là, peut-être des sentiments qui vont naître ou qui vont s'accroître ou au contraire s'étioler parce que on est sur une relation là. On est sur le sentimental, dans la relation peut-être vous ne trouvez pas ce que vous voulez. Alors, ça peut être sur le sentimental, aussi sur l'amical, le lien de cœur. Donc, c'est pas strictement, on me dit, romantique. Ça peut aussi être un changement sur l'amitié que vous pouvez avoir avec quelqu'un. On tient moins à quelqu'un, il y a une déception peut-être qui s'est faite, ou au contraire, un attachement qui grandit. Eh bien, vous voyez, on parle effectivement d'attachement là, d'amour. Donc peut-être qu'il va y avoir quelque chose de romantique qui s'annonce pour vous, l'amour d'une femme qui arrive. Ça peut être vous aussi hein, qui rencontrez l'amour si vous êtes une femme. Il y a quelque chose de très 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 probablement ici en lien avec le sentimental et le romantique. Alors, prudence parce que en fait là j'ai des gens qui se posent beaucoup de questions, qui projettent leurs anxiétés sur une situation extérieure. Avec ces belles énergies là, ça semble un peu surprenant et en même temps c'est vrai que je vous ai dit hein, Mercure nous fait des misères. On a un Mercure qui arrive rétrograde le 10, donc avec un ralentissement fort hein, qui est bien présent là, donc un Mercure stagnant qui peut poser des soucis de communication, des problèmes de compréhension, des problèmes sur le plan de la réflexion, sur le plan de l'anxiété. Et c'est vraiment ce qui ressort ici. Or, ça ne semble pas justifié à la lumière de ce qui semble vous apparaître sur le sentimental et le lien à l'autre. On va voir ce qui sera à la suite. Mais ça se comprend sur le plan des énergies astrales, effectivement. Un Mercure rétrograde, je l'ai dit, Mars... Mars en Gémeaux aussi qui vient nous perturber. Oui, j'ai pas parlé aussi du carré de Vénus à Mars, hein, qui peut apporter une tension en fait sur la communication entre les sexes opposés. Les sexes opposés ou les polarités opposées, hein, c'est pas nécessairement homme-femme, ça peut être aussi des polarités opposées. Ça reste, pour moi, ça reste de l'ordre de l'énergie. Ça ne veut pas dire que ça va se concrétiser. Mais il peut y avoir des malentendus. Et donc, on peut mal se comprendre. Alors que finalement, il n'y avait rien à mal comprendre. Vous voyez ce que je ressens ici? Oui, alors, oui, ça c'est votre inconscient en fait qui vous bloque. J'ai des gens qui se sentent bloqués par rapport à... sur l'inconscient. Vous faites un rêve où vous pensez que vous n'allez pas ou que vous ne méritez pas une situation. Toujours pareil, ça peut être en lien avec ce tirage, ce début de tirage. On rêve qu'on est freiné en fait quelque part. Donc une mauvaise projection. Projection, on est encore sur cette idée. Projection de pensée négative pour moi. Bon, bah écoutez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Bon, les cartes, elles vous disent quand même qu'il va y avoir un choix à opérer, hein, en fait. C'est une fatalité, vous ne pouvez pas continuer comme ça, à vous poser des questions, à vous prendre la tête, mais Sagittaire. Alors, vous prenez si ça résonne, hein. Mais il y a un choix qui va nécessairement arriver vers vous. Vous êtes à la croisée des chemins, c'est aussi peut-être quelque chose que vous anticipez et que vous savez que ça va venir et vous ne pourrez pas y échapper. Il va bien falloir faire un choix. On va voir. Ben, il y a de la tranquillité avec un homme, hein, quand même. Ou un homme qui devient plus tranquille. Donc peut-être qu'une fois que vous aurez relâché, libéré
ce qui vous porte souci, vous serez plus tranquille. Donc un choix opéré, je le disais. Il y a quelque chose qui se coupe avec la loi, quelque chose qui s'interrompt, la fin de quelque chose. Je vous ai dit qu'il allait falloir libérer quelque chose, c'est la loi, c'est-à-dire que c'est la loi divine. Vous devez libérer quelque chose du passé peut-être, ou quelque chose dans votre entourage, dans votre environnement, pour avancer. On regarde sur la semaine. Ah ouais, il y a du retard là. Il y a du retard et des blocages. Le début de la semaine, vous pourriez avoir des blocages. Prudence sur les signatures de papier et sur les communications. Il pourrait y avoir des malentendus à cause de mauvaises communications. Des papiers mal envoyés, mal adressés. Ok. Vous avez le sentiment en fait de jouer de malchance. Et effectivement, les étoiles dans le ciel sont instables et ne vous soutiennent pas cette semaine, en particulier je vous l'ai dit, hein, sur la communication, tout ce qui est en lien avec Mars. Mars et Mercure rétrograde. Prudence quand même. Hein. Tout ça, là, ça. Ne vous laissez pas happer par les énergies astrales. Voilà. Bah dis donc, ouais, il y a des tracas dans la maison en fait. Là, j'ai des gens qui vont avoir des tracas dans la maison. Prenez si ça résonne en vous. Hein. Après, voilà, c'est le tirage est comme ça. Vous avez vu, je prépare pas le tirage. Je tire les cartes et je les interprète au moment. Donc ça sort comme ça. Il y a des inquiétudes sur la maison. Donc peut-être que vous avez rêvé de quelque chose, vous projetez une anxiété, vous allez acheter, peut-être il y a un investissement qui se fait. Ça vous rend très anxieux, très soucieux là, où les choses ne se déroulent pas comme vous le voulez. Alors, mais il me semble que quand même sur le relationnel, j'ai plus l'impression que sur le relationnel avec votre sphère intime, il y a de très très belles choses, alors qu'effectivement à l'extérieur de vous, il y a du retard, il y a des blocages. On part en voyage peut-être avec son autre, ou bien vous partez vous-même à l'étranger, ou vous faites un déplacement. Peut-être qu'il y a un déplacement tout simplement de l'esprit aussi, un changement de perspective sur les idées. Hein. C'est possible aussi. Sortir de la projection négative de l'anxiété. Ah ouais, voilà. Bon, ça me plaît beaucoup plus. Il y a un retour de quelqu'un qui est fidèle, hein, quelqu'un dont vous avez vraiment besoin, une aide utile à peut-être que vous allez vous retrouver seul pendant une période là et vous allez avoir du mal à gérer certaines choses. Mais le retour de cet ami fidèle, de cet ami loyal va vous être très très bénéfique. Hein. Vous retrouvez quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Oui. Vous avez besoin de vous protéger en fait. Pour vivre des choses plus harmonieuses, plus douces et plus belles, vous avez besoin de vous protéger. Là, j'ai des gens qui vous ont un petit peu peut-être attaqué sur le plan énergétique ou sur le plan psychologique. Vous avez besoin de mettre des limites saines en fait avec certaines situations ou avec certaines personnes. Je pense qu'en l'occurrence, par rapport à ce tirage, c'est aussi en relation avec des situations qui sont un peu difficiles. On vous reparle de... C'était où, là? Le carrefour. Il y a un carrefour sur les livres. Vous avez un choix à réaliser sur la connaissance. Moi, je pense qu'à la lumière du tirage que j'ai fait juste avant, ça peut être un tirage... ça peut être un carrefour qui est sur... La connaissance de vous-même. La connaissance de vous-même. Ça peut être aussi un choix pour aller vers une formation, signer des papiers, vous informer sur quelque chose. Vous êtes à la croisée des chemins pour prendre une décision. Et peut-être que pour certains d'entre vous, effectivement, bah, y a de l'anxiété parce que c'est pas évident de savoir vers quoi vous allez. Là, vous êtes en transition sur certains plans. J'ai des gens qui déménagent ou qui achètent ou qui vendent, qui se lancent dans un projet professionnel. Mais on vous dit en fait que ça doit se passer. Hein. Vous avez deux fois le carrefour, hein, mes Sagittaires. Donc ça doit se passer. Il y a un choix à réaliser. Vous allez prendre un chemin. Et puis voilà en fait. Et ce sera le bon. Ce sera le bon. Que vous fassiez le choix ou pas d'ailleurs. On me dit aussi qu'il y a des règles à suivre.
Il y a des règles à suivre, il y a le livre à respecter. Ok, il y a le livre à respecter, mais il y a aussi quand même les règles et la loi que vous pouvez vous détacher de certaines injonctions, des injonctions sociétales, des injonctions parentales. C'est comme ça qu'on fait, des choses comme ça, vous voyez. Il y a une grande liberté là qui peut s'exprimer en fait. Vous allez pouvoir vous détacher de comment on doit faire, quelles sont les règles. Vous pouvez créer aussi en partie, on me dit, en partie vos propres règles pour trouver votre propre vibration. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui peut vraiment vous aider, hein. C'est cet ami-là qui peut venir vous aider. Puis vous êtes soutenu, à mon avis, sur le plan sentimental, sur le plan relationnel. Il y a un environnement avec les gens qui est positif. Il y a peut-être besoin pour vous d'aller prendre l'air, de vous mettre au vert, de faire un voyage, un déplacement. Ou ça peut être aussi, je le disais, un voyage spirituel, un voyage intérieur qui va vous aider à avancer, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Eh bien voilà, mes Sagittaires, j'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, likez, partagez, abonnez-vous, abonnez-vous aux notifications pour être prévenu des prochaines publications. Voilà, j'ai terminé tout mon blabla, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de très belles choses pour la période qui s'ouvre à vous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!